Salut. Bon, déjà c'est la première fois qu'on se voit ici là, comme ça, là où j'affiche ma grosse tête là comme ça. Mais ouais, c'est plaisir d'être ici en vrai. Du coup, juste avant que la vidéo commence, encore une fois, comme d'habitude, quelques explications. Voilà, si vous voulez passer ces explications là, le thème code est juste ici. Voilà, la vidéo commence réellement ici. Mais bon, ceux qui font ça, je vous retiens. Et vraiment, je vais pas oublier. Du coup, pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant un mois? Un mois c'est long, mais bon, pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant un mois? C'est tout simplement parce que j'ai des problèmes avec ma play. Ça veut dire que ma play d'un seul coup, comme ça, a coupé et a affiché ce message-là. Du coup, à cause de ce message-là, je devais réinitialiser ma play. Et en réinitialisant ma play, ça veut dire que je perdais tous mes joueurs-là. Tous mes joueurs parce que vous l'avez pas encore vu. La dernière vidéo que vous avez vue, mon joueur était à 60 de général. Sauf que à l'heure où on se parle aujourd'hui, mon joueur a 99 de général. Et j'ai un deuxième joueur qui est environ à 80 de général. Du coup, c'est beaucoup d'heures de travail, de charbonnage, etc. Du coup, voilà, c'est chiant. En plus, j'ai des vidéos dedans. Et du coup, j'aimerais pas les perdre. Voilà. C'est des heures de travail, des heures de tryhard aussi. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. J'attends d'avoir mes données en sécurité pour pouvoir réinitialiser cette play-là. Mais voilà, du coup je sais pas quand est-ce qu'il y aura de vidéo. Il y aura celle-là déjà, c'est déjà bien. Hein. Mais je sais pas quand est-ce que ça va reprendre. Et deuxièmement, un grand merci à PM. PM que vous allez voir dans la vidéo là juste après. Mais je vous dis, hein, sans PM, ces vidéos ne seraient jamais sorties. Vraiment, 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 donc merci à lui. Il sait pourquoi, je sais pourquoi, on sait pourquoi. Mais voilà, sans PM, ces vidéos ne seraient jamais sorties, donc merci à lui. Et ben voilà, je pense que c'est tout. Et je pense aussi que la vidéo peut enfin commencer. Donc j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Donc cette vidéo de Star Game. C'est parti. Y'all niggas know what's up. You say pandemic. Yo. Oh, you wanna see a pandemic? Really hot. Shit, remove us from the game. Things are really get crazy. Yo. Brazil. I don't lean, but my house do. Off the hill with the mean view. Nice house, if you look out, you can see some eagles and a few yachts. Got a roommate, he won't move out. If you won't smoke, he the cool out. And he drill shit, got the tool out. It's the Wolf Gang, Brooklyn Zoo out. Nigga Wu-Tang, you get chewed out. Then we woo out. This is flip mode, and they know you push it like the douche out. Bitch, I'm cool, cool, and his mouth wet. He a poo now. Used to stage die, but they sue now. I was too hot. TLC waterfalls on my chest, help me cool out. Got 2 minute calls, shit'll go call. Yeah, they catching dust, rolling the stall. Illo with lemon heads looking like ball. Keep your protect, I spent that on all. How much it cost? Shit, I don't know. But I know that stage a million to show. Stuck in my ways, they say how so. First nigga put up. Du coup, ça va être très simple. Là, on devra faire un slalom entre les deux sacs ici. Après ça, on devra sprinter. Je sais pas si vous voyez le mur au fond là-bas. Ben voilà, on voit toujours les slaloms. Mais du coup, je sais pas si vous voyez le mur là-bas au fond. On devra faire une passe. On va revenir là où on était. Faire un layup et finir sur le panier là-bas à 3 points. Et là, c'est une brique de EPM. Vas-y, deuxième manche, PM. C'est ce que je disais, depuis le début, mettez-vous au milieu. Sorti. T'as
Voilà, j'ai récupéré en avance. BM, la passe a été faite. Voilà, j'ai pris le 3 points. Wesh. BM peut-être. J'avoue, ce noir là-bas, là, il est semi-pro. Paix, mon canne est fort. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Oh boy. Are they retro? Semi-pro. Semi-pro. Il est semi-pro. Regardez-le. Semi-pro. Ouais, je vois qui a envoyé la balle là-bas là. C'est toi en bas. Semi-pro, dehors. Semi-pro, gravé. T'as quoi à dire? T'as quoi à dire pour ta défense? Oh là là. Vous êtes morts, mais félicitations, vous avez battu en semi-pro. Après, c'est plus de basket. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Les basketteurs, c'est de l'eau. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Même elles, elles le disent. Même elles, elles le disent. T'es nul. T'es nul. Regardez-le, là, c'est... C'est nul! Final 100% antillaise. 3, 2, 1, go! Ok, les passes sont faites. Pim ding! Ah, dommage. Ah, j'aurais dit que c'est vrai. Regardez-le, il est grave nul. La patate! Victoire, victoire, 100, final 100% antillaise, victoire. Joueur qui a jamais joué du basket, du tapis, ils sont bon. Nuls. Ils sont nuls. C'est officiel. C'est officiel. Ils sont nuls. C'est officiel. T'es nul. T'es nul. Laissez-moi parler. Officiel, un point. Ok, le concours de 3 points, ça va être aussi très simple. On n'a pas de règles comme NBA parce que tu connais, on n'a pas d'argent. Mais du coup, chaque joueur aura 5 tirs, donc un par spot, 2 à 0, 2 à 45 et 1 à 90. Et ça sera tout simplement le joueur qui met le plus de 3 points qui gagnera cette épreuve, tout simplement. Du coup, c'est parti. Jibril, c'est sûr que tu vas pas mettre ça dans Idriss. C'est sûr que tu vas pas mettre ça sur YouTube. Attends, attends, attends. Au moins pour la faire des choses. Au moins, ah, vas-y. Vas-y, 0. 3, 2,
Encore. Encore. Voilà. Ça tire d'ici. Comment ça, tricheur. Ah, 0 hein. Rejoins-moi. 0 hein. Rejoins-moi. 0 hein. That's really retro. Vu que j'ai fait 0, vu que j'ai fait 0, les 3 là ils auront une finale. Sans moi. Pourquoi tu rigoles? Regardez! Il est grave content, je l'aime. Le mec, tu es au basket ici. Va le placer. Ah, c'est va le placer. Le concours de layup, du coup, ça va être pareil que le concours de Dunk NBA. Ce sera 3 essais par layup. Et tout simplement, celui qui aura la meilleure note gagnera cette épreuve. Allez, c'est parti. Moins un. Juste pour le
Ouais, j'avoue, il a couru quand même, donc on va mettre 1. Mais ouais, Rata, il a grave le seum. Il a grave le seum. Grave. Non, vas-y, 7. 7. 7, ouais. Non, mais ce jour, c'est pas la même. Tu verras la vidéo. Tu verras. Oh, y'a pas pour le seum. Je le note plus, je le note plus. Y'a rien. Mais y'a pas de jaloux comme ça. Mais elle a fait ça parce que pas avant qu'elle est pichée. Pourquoi est-ce que tu fais pichée et tard tu pleures? Bref, c'est 7. Wow, that's really retro. Paul, Paul, un peu plus de motivation là. Sérieusement, Paul. Motive-toi, allez. Dans tous les cas là c'était. Dans tous les cas là c'était pas 8 hein, donc moi je te dis autant recommencer. Ah, ça veut dire recommence, t'es obligé, sinon tu vas jamais gagner. Ah, ça va être vraiment 0 aussi. On a un fabuleux. Allez, 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 ils sont 0-0, ils savent même pas marquer des doubles encore pas. Encore le filin entre eux. C'est des doubles encore pas, le ils savent pas faire. Qui commence? Qui commence ou c'est pas? Allez, tu fais ton meilleur délire. Vas-y, on fait un peu. Tu fais comment c'est à l'heure? Pierre papier et ciseaux. Vas-y. Il a dit pierre papier. Ah, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que lui? C'est ça, tu notes. Mais non. En vrai, c'est pas l'élève, c'est pas l'élève, c'est un tir. Non, mais ça coûte, c'est un tir. Vas-y, vas-y, si tu regardes. Ça coûte pas. Si, 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 mais non. Vous êtes des rageux. Ça coûte. On va c'est plus vrai, ça. Bon, allez, après, tu, après, après ça, je vais te mettre une meilleure note, hein, mais moi. C'est des gamins. Il en aura deux. 10 sur 10, Cybril! 15 sur 10! Cybril! 15
aussi, c'est Dieu du Bril. Bon, on y est, enfin. Le match final, le match des étoiles, vous l'appelez comme vous voulez, ça sera un match 2v2. Sauf que ce match-là a une spécialité, c'est que le gagnant de ce match-là, enfin les gagnants de ce match-là, remporteront 2 points. Et oui, ça veut dire que Jibril peut gagner, Lucas peut gagner, et PM et moi pouvons revenir à égalité. Du coup, c'est la dernière épreuve. Je vous laisse ici. J'espère que vous allez kiffer ce match. C'est parti. Non, c'est Versace. Calcule pas. Versace, frère. T'as pas l'argent, toi. T'as pas les tales. Critique maintenant, c'est pour le CC. Idriss. Thank you.
chier là. Bon, j'avoue, il y a reprise, mais je suis trop dans la vue. Wow, that's really retro. Oups, ça a coupé. Non, en vrai, ben voilà, je voulais gagner. Mais attention, 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 il faut que j'explique un truc, ouais, parce que j'aime beaucoup expliquer des choses. En gros, avant de faire le tournage de ces vidéos ou quoi, Jibril m'a dit que s'il ne gagnait pas cette vidéo, il allait porter plainte contre moi pour droit à l'image. Du coup, je pense que les plus intelligents ont compris là où je veux en venir. Je l'ai laissé gagner. Voilà. C'est pour ça qu'il a gagné. Et puis voilà. Parce que tout le monde sait que je suis plus fort que lui. Tout le monde sait. Oh là là. Parce qu'il fait trop le malin. Bon, bref. En tout cas, félicitations à lui. Voilà, il a gagné. Bravo. Nanana. Oh, ça se voit que je sais ou pas. Là, je sais. Je suis dégoûté. Putain, zéro point. Ah. Non, c'est humiliant. C'est vraiment humiliant. Aïe. C'est pas pro, mais bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Franchement, j'ai trop aimé faire cette vidéo, vraiment. Les liens de tout le monde sont dans la description. Donc l'Instagram de Lucas, l'Instagram de Jibril, son TikTok. Je crois qu'il a TikTok, je sais plus. PM, il y a son Instagram, sa chaîne YouTube. Allez vous abonner, etc. Il a fait des vidéos Rocket League, je suis dedans en plus. Donc c'est marrant et tout, voilà. Et aussi, il a lancé sa chaîne Twitch, du coup, allez dessus sur Twitch, voilà, c'est cool. Et surtout, voilà, abonnez-vous à cette chaîne-là, likez, partagez, abonnez-vous, etc. Aussi, j'ai oublié, la caméraman, abonnez-vous à son Instagram, TikTok, qui est Ren, R-E-I-N-E. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve, je sais pas quand, du coup, mais j'espère que le plus rapidement possible. Et voilà.